Allez, on continue ce magnifique jeu. Il vient de se réveiller. Quelques jours, 52 jours plus tard. Note. C'est une sorte de manuel d'instruction. Toujours guide d'utilisation rapide du Medigun. Toujours utiliser le Medigun dans un environnement stérile et éloigné de toute source de chaleur. La capsule Meditech sont hautement volatiles. Ne pas les utiliser au-dessus de 5 degrés. Il ne faut pas administrer plus de 2 capsules à la fois. Nanomodules, mécanique diagnostique, opioïdes stimulateurs, opioïdes stimulateurs. En fait, on s'en fout un peu. Ce n'est pas besoin d'utiliser pour le moment. Il est écrit, en cas d'urgence, administrer une dose de liquide de diagnostic avec une dose de liquide de réanimation. Meditech décline toute responsabilité en cas d'utilisation du Medigun par une des personnes non compétentes. Il y a toute une capsule de couleur là-dedans. Il y a même des vides. Je dois juste prendre une chatte. Ok, mais... Je les voyais même pas! J'ai cliqué sur lui! En tout cas. Oh God. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des morts. Il y a un corps, on va aller voir ça. Moi j'aime ça les corps. C'est Phoenix. Il y a de ça partout. Il est. Damn it to hell. Bordel de merde! Contrôle, rapport de situation. La station a subi de nombreux dommages. La coque est dans un état critique, le système de survie est compromis. Ça craint. Contrôle, déverrouiller la passerelle d'accès aux étages inférieurs. L'accès est interdit, le verrouillage manuel a été activé sur un ordre du capitaine de la station. Elle a verrouillé tout l'étage? Ça n'a aucun sens. Contrôle, il me fait un rapport de situation et ce qui s'est passé. J'étais hors service combien de temps? L'agent Starborn a été soigné suite au succès de la mission Zéro sur Terre. 64 heures ont passé depuis ces événements. C'est vrai, c'est en heure, pas en jour. Et on recommandait aux passagers de cybernétique de subir une réhabilitation de 96 heures après toute intervention chirurgicale. On s'en fout de ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais KO après aux enregistrements? À la 320e heure du 50e jour du 7e soleil, l'agent Starborn a été envoyé en mission sur récupération. Il avait pour ordre de récupérer et de sécuriser les anciens artefacts datant de l'âge de pierre. C'est durant cette mission qu'un pic d'énergie sans précédent a été dévié du réseau intercontinental vers une tour du Néo-Londres. Ouais, j'y étais. Après ça, l'agent Starborn a récupéré l'artefact et l'a ramené au... avec succès à la passerelle médicale de New Haven. Cette mission fut un succès. New Haven réussit à rapatrier l'agent Starborn et l'artefact qui était étonnamment intact. Ce qui ne fut pas votre cas, vous aviez dû subir une reconstruction complète sacrifiant le repos de l'agent Phoenix. Dis-moi ce qui est arrivé. Ils sont venus pour l'artefact. Je suis désolé de vous dire que c'est un mystère pour vous comme pour moi. Mon dernier enregistrement montre Rugrat remarquant une anomalie interstellaire provenant d'un système voisin. Peu de temps après, mon système a planté. Ça craint. Contrôle, combien de membres d'équipage ont survécu? On va devoir récupérer les capsules et les regrouper, comme je l'ai déjà dit. Je n'ai pas d'enregistrement des événements. Je peux par contre affirmer que toutes les capsules de sauvetage sont présentes et en temps de marche. Les scans préliminaires suggèrent que vous êtes le seul survivant des gardiens de New Haven. Je suis désolé, agent. Qu'il aille au diable. Ils n'ont pas gagné, on est plus fort qu'eux. Il doit bien y avoir quelque chose. Nous devons trouver un moyen de contourner le verrouillage. J'ai toutes les informations que j'ai besoin. It says, in case of emergency,
Meditech. Commande de la passerelle. La plateforme est confinée. Vous n'aurez pas accès aux étages inférieurs tant que la procédure de sécurité ne sera pas désactivée. Le truc est foutu. Damn, the thing's busted. Ouch. Oh. That thing suddenly got red hot. Almost blew my balls off. Ça m'a presque brûlé la baloche. Éteins le feu. Peut-être pas. Damn. Damn. It's no good. It's no good. I don't need to use that right now. That thing only works. I've got no use for it right now. Says in case of emergency, Meditech do not. It says in case of emergency. I've got all the. Rude. I've got all the information I need. Rude. It's Phoenix. There's blood everywhere. He's. Damn it to hell! Ouais, mais... J'ai cliqué dessus, mais ça n'a rien fait. Moi, je clique de nouveau. It won't turn any further. Hostie. Damn. Damn, I need to find another. Damn it. It's n- I need to find another way. It's no good. It's no good. The thing's broke. It's no good. It's no good. It's no good. Ah ouais, j'ai crié dessus moi aussi, puis...
Et dans les situations même. Oh! Non, niaiseux. Ah, y'a une autre petite porte là, ça se peut-tu ou c'est la même? La même, je crois. C'est la même, ok. There's loads left. I'll just top up on the ones I'm missing. Vois-tu comment c'est bien caché? Ça n'a pas de sang en arrière d'un bras. Mais ça, je l'ai vu tantôt. Mais là. Faut que je mets ça quelque part, apparemment. Yes, I could turn it back up. Gars, mes affaires ont changé. Ouais, le corps, ouais, je l'ai fait. Damn. Damn. As-tu vu mes bouteilles ont changé? Tantôt, mes bouteilles avaient disparu. Là, ils ont changé, le feu s'est intensifié. Là, on va voir. Ouch. That thing suddenly got red. Almost blew my balls. It's no good. It's no good. It's no good. The thing's broken. Ça va marcher. Quelque chose que je comprends pas. There's loads left. I'll just talk. Au moins, on sait que ça a rapport à ça, mais quoi? Damn it to hell. I've got a rude. The platform. I won't have the platform's on lockdown. I won't have access to the lower levels until the lockdown's lifted. I'll look there. The doors. I'm gonna need to find another way to get it open. Ouch. Il explose quand j'approche. Red hot. Almost blew my balls. C'est bizarre. Là, j'ai même pas cliqué dessus, c'est en me rapprochant que ça a explosé. I've got one of each. I've got one. Je vais faire de quoi? Je vais revenir après. Je vais les remplir puis je vais venir par là après. I'll just close up. The platform's on lockdown. I won't have access to the lower levels until the lockdown's lifted. It's damn it to hell. I've got one of each already. It's in case of a med. It's in case of a Meditech. That thing, oh, I've. It's. I don't need to use that, right? It's some kind of
thing's busted. It won't turn any further. Le feu est plus petit. Nope. Maybe I can use these capsules to blow it open. Perfect. Yeah. Now to turn up the heat. Enlever la chaleur et là il faut mettre la chaleur. Tabarouette des fois, hein. I sure hope this works. Hein, c'est pas des fois, hein. Tellement simple, mais compliqué à la fois. Général, accrochez-vous, chef. Je vais vous remettre sur pied, c'est promis. Bon sang, c'est Phoenix qui fait ça normalement. Pas trop, j'ai besoin d'aide. Mes connaissances en procédure médicale sont limitées. Cependant, cette station n'a pas de secret pour moi. Vous trouverez de nombreuses fournitures médicales dans le tiroir à l'arrière de la pièce. Bien reçu. À votre droite, vous verrez la station Meditech que vous utiliserez le moniteur pour vérifier les signes vitaux du patient. Le patient subit un hypoxie sévère et va avoir besoin d'une dose de stimulus de réanimation. Je vous suggère de faire vite. I'll just top up on the ones I'm missing. It says, in case of a should be what I need to fix the general. She's out cold. For help, please consult your Meditech training red and green. Invalid selection. It says, in case of emergency, Meditech should be what I need to fix the general. I don't need to use. It says, in case of emergency, Meditech do not accept. Tantôt, on voyait l'affiche. Là, on voit plus l'affiche. She's out cold. You have blue and blank invalid. Please. Thank you. Please. Blank in that, please. Thank you, please. You have inscribed blue in valid, please. Thank you, please. For help. You have green and blank in that. It's damn it. Why? Rude. I've only just cooled off. I'm not going back in there unless I've got a really good reason. Bon, faut que je reste là. Ah, reviens deux secondes. The platform's on. I won't have act. The platform's on. I won't have act. The platform. I won't have act. Moi que c'est la note, faut que je garde niaiseux. It's
It's some kind of instruction manual. Comment ça qu'un vert? Ça, c'est vraiment ça. Un vert, j'ai une idée vert. Inserted green and blank invalids. Unauthorized mixtures are hazardous to the patient's health. Please. I don't need to use that right now. It's some kind of instruction. Please consult your Meditech training manual. You have inserted green and blank invalid selection. An offer, please retrieve. Thank you for choosing Meditech. Please insert 2 Medigel capsules into the ports provided. For help, please consult your... You have inserted green and blue invalid. Please. Thank you. For help. You have in green and blue in that please. Please. For help. You red and green in. For help. You and blue mix. Please insert. Veuillez insérer une capsule de Medichel Vid. Oh, je l'ai eu. I guess the empty capsule goes in here. Blank capsule accepted. Preparing réparation du stimulus de réanimation. Pénétration. Injection de la substance. Please remove. Veuillez retirer la capsule Medigel. From the entry port. Thank you. For help. You have purple and green preparing manual complete. Animation réussie. Ready for. Animation prête. Go. On va te réanimer, ma belle. General, Starborn, c'est vous? Is that you? Vous êtes en sécurité maintenant. Allez, doucement. Vous allez si vite. Nous avons verrouillé les étapes inférieures dès que nous avons pu. Doucement, je vais régler ça. Ah bon, je suis désolé. Nous avons abordé des deux côtés de ne rien plus faire. Allons, détendez-vous. Est-ce que Rugrats sont sortis? Je n'ai vu aucune trace de Rugrats, mais ils sont tous morts. Madame. Alice, Steven, Harris, Phoenix. Phoenix. Agent, écoute attentivement. We got the artifact. Nous avons l'artefact. La mission a été un succès. But the station la station est détruite. J'ai initié la procédure de confinement.
Dès qu'ils ont attaqué, Rugrat a insisté pour être enfermé, alors nous l'avons laissé en bas. J'essaie de lui faire gagner autant de temps que possible, mais elle était tellement rapide. Tout va bien, madame, je vais m'en occuper. Il est possible que Rugrat s'en soit sorti. Comme nous le pensions, ce cristal était capable d'ouvrir une brèche dans l'espace-temps. Il ne reste plus qu'à ajuster le lieu et la date. Vous pensez qu'elle a réussi? Cette fille est capable de tout, je ne l'ai encore jamais vue échouer. Madame, je vous demande la permission de voyager dans le temps à la recherche de la plus courageuse des technologies. Permission accordée, je ne vous laisserai jamais. La station est verrouillée, je voulais la seule pour pouvoir lever le confinement. D'accord, contre, veuillez lever le confinement et autoriser l'accès au niveau inférieur. Bien reçu, capitaine. Contrôle, je transfère le contrôle total à l'agence Starborn. Born, né, star, étoile. Une étoile est née. Bien reçu, mise à jour de la protocole de sécurité. Allez-y, Starborn, trouvez-la, sauvez le monde, faites tout ce qu'il vous faudra. Allez-y, Starborn, vas-y. Tout ira bien pour moi. Essayez seulement de rester entier cette fois. Je ferai de mon mieux, madame. Faites attention à vous, agent. Cette mission n'est pas encore terminée. Le patient a perdu connaissance à l'initiation du processus de récupération. Prends soin d'elle. La machine à voyager dans le temps se situe aux étages inférieurs. Il est temps de remettre les choses en ordre. Les mains à l'amour, les mains dans les yeux. La passerelle d'accès devrait fonctionner maintenant. Let's do this. C'est parti! Wow! Wow! Is it working? Est-ce que ça fonctionne? Coordonnées de navigation confirmées 64 clics vers le degré 9 de distorsion 40.09. In English, please. En français, s'il te plaît. Toutes mes excuses, mes notes ont été stockées à la va-vite. L'indexation correcte n'est pas encore complète, voilà, qui est inhabituel. Il y en a un qui était pressé. Données additionnelles localisées. Les schémas spatio-temporels ont été récupérés en provenance de trois sources externes. Le minerai provient d'une source vieille de 970 ans environ. Je pense que l'installation a été configurée pour votre voyage, agent. Pour le vôtre, voyant. Rugrat, t'es un génie. Contrôle, dis-moi si la machine a déjà été utilisée. Est-ce qu'elle s'en est sortie? Accès aux enregistrements courts. Les données les plus récentes suggèrent qu'une utilisation dénommée Rugrat a eu accès au terminal 17 heures avant votre requête. Est-ce qu'elle a réussi? Les données suggèrent que la matière organique a été dématérialisée avec succès. Cependant, notre résistance même suggère que cette chose a empêché le succès de cette mission. Il y a encore de l'espoir. Comment je fais pour activer ce truc? Recherche en cours. Screw it. I'll figure it out. Merci, merci. There's a note here. Il y a une note, on dirait l'écriture de Rugrat. Patron, si vous lisez ça, c'est que j'ai merdé. Perdu dans le vide spatio-temporel, soit je suis coincé dans le passé ou mort. La plateforme a été calibrée. Et elle est prête à être activée si vous voulez venir me sauver. Pierce, vous me devez encore une bière. Non, deux.
Téléporteur, une si grande puissance. Bon sang, j'espère que ça va fonctionner. Téléporteur. Je ne peux pas faire marche arrière, c'est fini. Terminal. J'espère que ça va fonctionner. J'ai disparu. Bien, ça n'était pas censé arriver. Je suis où, là? Barre spatiale. C'est quoi cet endroit? Une étrange créature flotte dans le vide. Un cheval. Une plaque. Comment? Pas possible. Oh mon Dieu, il est revenu dans le passé. Ça doit être ça. Des murs de pierre incrustés d'or. C'est le même symbole maudit. Ne bouge plus. Un pas de plus et je... Oh merde, pas alors. Ne bouge pas. Et attends, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as pas l'air du genre à vouloir conquérir le monde, toi. Les apparences sont trompeuses, j'imagine. Tu veux bien arrêter de te moquer de moi, je suis là pour t'arrêter une bonne fois pour toi. Dis-moi que tu as fait la princesse. Je sais que c'est toi qui... Attends, une seconde. Pourquoi on est du même côté, toi et moi? Est-ce que ça s'appelle Tom Bird, c'est ça? Tom Bird Ruffskin. En effet, je venais pour toi. Écoute, ça va te paraître insensé, mais je ne m'attendais même pas à ce que tu me crois. Eh bien, je viens de lointain futur. Et je suis revenu dans le passé à travers le temps pour sauver la princesse des mains d'un élément abominable. Il y a tellement en jeu et pourtant je n'ai vraiment que peu de temps à t'expliquer cette histoire. Ne présage rien de bon pour vous et je l'ai vu de mes propres yeux. Une seconde, si tu peux voyager dans le temps, alors pourquoi ça n'a pas pris aussi de temps? J'ai rudement bavé pour arriver jusqu'à ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as juste sauvé la princesse. Pourquoi tu n'as pas arrivé avant que je m'enlève la princesse? Écoute, gamin, j'ai croisé le regard du diable en personne. Pas moi aussi, mettre mon sacrifice en question. On a eu des soucis avec le téléporteur, la station a été attaquée et je... J'ai pas eu à sauver. D'accord, je vois. Et tous les deux passaient de mauvais moments. Et tout ce que j'ai en dit, c'est que tu n'as pas intérêt à me faire chier. Le moment est venu pour moi de prouver au roi que je suis une bonne personne. La fortune à gloire de célébrité ne m'intéresse pas. Je dois l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Aide-moi à ouvrir la porte, tu peux? Tu sais, j'ai un sentiment étrange. Comme si j'avais déjà venu ici avant. Ça va sembler bizarre, mais on a besoin de ce book. Hey, le book! Et c'est... Poor thing. You must be starving. You hungry? T'as faim? Ah, il m'aime bien maintenant. I think he likes...
least short like that. Keep your head in the game. Garde la tête froide. Rien à faire là. Tabarouette, mon petit peu fragile. Sheesh, il fait vraiment chaud ici. Ne baisse pas ta garde, le destin du monde repose entre ses mains moites. Je n'aime pas du tout, c'est concentré, on n'a pas le temps. Il doit y avoir quelque chose qu'on pourrait utiliser pour couper ses liens. I'll keep my disc. Yeah, I wouldn't go touching that. Hey kid, is that your princess? C'est ta princesse. Theremin! Elle manivelle. There must be something here. Il doit y avoir un moyen que quelqu'un pourrait utiliser pour couper ses liens. There must be something here. I've got no need for that. Would look nice in my bedroom, no? I would imagine those are quite hot. Yeah, I wouldn't go touching that. Theremin! Elle ne m'entend pas d'ici. On va aller couper les liens, allez! Allez, allez! Tu vas avoir besoin d'aide, mon aide. Seconde, la corde n'est même pas serrée. Thunberg. Oh, le diable est là! Vite, il arrive, occupe-le! Ne fais pas attention à moi. Hé, hey, recule. Oh, mon Dieu, tu vas vraiment faire ça? La mettre sur ton épaule, me vaincre et l'amener loin d'ici en héros? Don't come any closer. N'approche plus. Fool. Imbécile. Oh, fuck. On est plus cassé des types dans ton genre. Et qui est cet homme, au fait? Et puis, je m'en moque de toute façon. Vous êtes tous les mêmes, vous me regardez de haut et vous dites... Oh, un type pâle aux yeux sombres mais qui porte une robe noire. Et il ne prépare rien de bien. Tu dois savoir que j'ai des grandes idées pour mon règne éternel en tant qu'immortel. Tu n'as qu'à attendre, le monde s'en portera bien mieux. Tiens, au fait, comment avez-vous fait pour entrer ici tous les deux? Attends, c'est... Oh mon Dieu! Est-ce que tu sais combien de temps j'ai cherché ça? Bien, ça va rendre les choses bien plus simples. J'imagine que le moment est venu. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies apporté la dague, Dieu sacrifié. C'est peut-être la seule chose que tu pouvais empirer les choses. Regarde, il a même le sceau sous la garde. C'est comme dans le livre. Rugrat, je pense t'avoir perdu. Tu es où? Hey, cowboy.
Salut cowboy, Rock, je ne peux pas l'approcher, il est trop puissant. Où es-tu exactement? Je ne dirai à personne que tu vas fermer les yeux. Regret, c'est elle la fin SF? Allez au-dessus! Allez la Rugrat! Elle est la Rugrat, elle est la Rugrat. Oh, elle l'a acheté dans la... Oh! Yes, Rugrat! Princess! Princess! Tu m'as fait peur pendant un moment. Ça ne dit rien. Tu vas bien? Oui, maintenant que tu es là. Cette fille est vraiment intelligente. Tout ça était son idée. Si vous n'étiez pas venu me chercher, je crois que les choses n'est vraiment pas mal terminées. Mais c'est pour ça qu'on était là. Et en parlant de ça, t'as senti ça, chef? Le fourmillement. Je crois que ça veut dire qu'on a réussi. Et comment on va rentrer? Je pense qu'on est déjà en train de partir. C'était bizarre. Je ne le fais pas dire. Heureusement que tu es venu. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose, sauf si tu veux remuer les jambes et implorer ma pitié. Ce n'est pas ce que tu as fait ici, c'est ce que tu as fait après. Tu ne le vois pas? Hein? L'agent Rugrat m'a tout raconté. Tu n'as jamais abandonné. Mais après tout ça, après avoir tout perdu, tu m'as écrit toutes ces notes et tu n'avais pas... Et qu'est-ce que tu... Mes notes sont restées qui nous ont sauvés. Les chroniques de Tomber. Tu as bâti une sacrée réputation, les aventures de ta bataille contre le Sugar Road durant toutes ces années, les récits ont perdu à travers l'histoire. Tomber, tu n'as pas été oublié des décennies. Ces deux-là ont pu trouver grâce à toi. C'était un peu trop célébré pour toi. Pourquoi est-ce qu'ils se soulevaient à tous? Enfin, par une raison évidente, bien sûr, ce n'est pas moi, ça devait être sauvé, il devait être tué lui. Cet homme a fait des choses vraiment horribles, Tomber. Mais toi, tu étais là avec combattre pour bien, bien, pas après ça. Ces événements qui t'ont mené à Tomber, t'en fais ce que tu es. Personne ne peut t'enlever ça. Je pense que quelqu'un a droit à une promotion. Qu'est-ce que tu penses de Seigneur Tomber? Tu sais quoi? J'aime bien. Viens là, mon sexe sadique. Ça, c'est Turbo avec sa petite princesse de Gaspésie. 2074. Dans 44 ans. 54 ans. Et tout le monde vécu heureux. Ben. Mademoiselle. Parlez-nous encore du ver géant. Est-ce que Tomber et la princesse se sont mariés et ont eu des enfants? Ben, on aura un peu de temps pour les questions plus tard. Nous allons d'abord regarder vos devoirs de la semaine, bande de petits gamins. You know what? C'est quoi? Ça ressemble vraiment beaucoup au héros de ce camp. What? Me? Pas moi, ça m'arrivera jamais de jouer à ce avec le temps. Imagine the repercussions. Imagine les conséquences, j'ai déjà eu mal à gérer le petit déjeuner des enfants. L'agent intergalactique qui voyage dans le temps pour sauver le monde. Il va falloir s'habituer, tu ne crois pas? Agent Starborn. Estate agent. Agent immobilier, chérie. For sale, Starborn, real estate. Ayant vaincu le Ravisseur juste avant qu'il n'invoque le Sugar Road, Tomber, Starborn, Rugrat et Terrymen réussirent à restaurer l'équilibre du monde. Leur destin restauré et la chronologie changée, Starborn, Rugrat et le reste des gardiens vécurent en paix et dans la sérénité. La douleur ne devint rien de plus qu'un lointain souvenir. Grâce à l'amitié et à la volonté, nous pouvons nous tous vaincre. Les démons de ce monde et bâtir ensemble un meilleur futur. Merci d'avoir joué à Guard Duty. J'espère que nous avons pu apporter un peu de gaieté. Et comme Tomber, n'abandonne jamais et battez-vous pour ceux qui vous aimez. Guard Duty. Terminé par le Caribou Canadien. Oh yeah! Un jeu de Nathan Harmley. Programmation assistance concept de Handy Cyrus White.
Histoire rare, création sonore et programmation. Attention, Nathan Henley. Wouh! Un autre jeu de terminé du Caribou canadien! Aussi blanche que la princesse terrienne. Marchant d'un cheval des poids mouvis en fort. Oh, mad Uncle Jeff, merci pour les crottes du caribou. Oh, yeah! Kirk Cassandis and Crystal Learn and Hagen Bluegrass. Edwin Tian, agent Phoenix, scientifique informateur, très sensuel. Remerciements spéciaux à tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette aventure. Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant, Matt? Un immense merci à tous nos backers sur Kickstarter. Yes! Tous les Kickstarter vont passer. Est-ce que vous connaissez Kickstarter? Il va y en avoir beaucoup, guys, sont juste dans les billes. Kickstarter, vous pouvez avoir accès à des jeux en avant-première, mais aussi à des prix minimes. Pas souvent en avant-première pour sûr, mais souvent des prix moins chers que ça. Que les jeux sortent un an et demi plus tard, des fois un an. Oh non, léger! Non. Selon toi, c'est quoi que je vais jouer?
à la mémoire de Rosemary et de Brian Henley. C'est pas mauvais. C'était génial. Merci d'avoir joué, n'oublie pas de nous suivre pour connaître les dernières informations. Car sur notre projet, j'ai entendu dire qu'il y avait un site ou un truc du genre sickchicken.com. Enfin, bref, à plus. Sickchicken.com. Et c'était tout pour cette merveilleuse aventure de Point and Click.